Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour la deuxième partie de l'histoire de Konami, une histoire très importante et très intéressante qui est à l'image de l'évolution du jeu vidéo depuis plus de 40 ans. Et on reprend donc cette vidéo en 1990, le département arcade de Konami s'essouffle un petit peu devant aussi la baisse de fréquentation des salles, les joueurs sont de plus en plus présents sur console et micro-ordinateur. Castlevania 3, Dracula's Curse sort sur la NES, un jeu d'action par opposition au précédent qui donnait plutôt dans l'aventure. Le beat'em all Aliens, basé sur le film du même nom, très en vogue à ce moment-là, sort aussi cette année en 1990. D'autres titres passent un peu inaperçus, tels que Punk Shot, un jeu de basket dont les équipes sont composées de punk, Overdrive, un jeu de course en arcade, Lightning Fighters, un shoot'em up, ou encore Parodius, précédemment cité dans la première partie de cette vidéo. On voit que Konami est en baisse d'inspiration et cela va se confirmer l'année suivante en 1991. On commence par l'exception de l'année, la Super Nintendo vient de sortir et l'un des premiers jeux est Super Castlevania 4. On voit quand même que Konami s'adapte parfaitement à ce nouveau support en proposant un jeu exceptionnel, un des meilleurs de la console malgré des graphismes pas encore géniaux, mais nous sommes encore au début de la console, le meilleur est à venir pour Castlevania. En tout cas, Castlevania 4 contribuera beaucoup au début du succès de la Super Nintendo. Les Tortues Ninja reviennent également avec Turtles in Time, une séquelle au gameplay quasi identique proposant des niveaux plus variés et de bons graphismes. Le phénomène en 1991 vient de Capcom avec Street Fighter, et le versus fighting devient de plus en plus à la mode dans les salles d'arcade et dans les salons. Seul Mortal Kombat va réussir à venir concurrencer, et Konami ne se jette pas dans la bataille et reste plutôt sur son terrain, le beat'em all et les shooters. Konami acquiert les droits des Simpsons pour en faire un jeu de type beat'em all, en réutilisant le moteur et un gameplay semblable au jeu d'arcade Teenage Mutant Ninja Turtles. Les voix américaines des personnages des Simpsons prêtent leur voix aux personnages, et le jeu est plutôt un succès. Alors là c'est un exemple, mais c'est aussi un atout de Konami. Ils doivent certes payer cher les licences de dessins animés ou de films pour les adapter en jeux vidéo, mais comme c'est à la mode, les retombées financières sont assez importantes pour Konami, d'autant plus que Konami a beaucoup d'atouts artistiques et vidéoludiques pour exploiter au mieux ses licences. Ce sera le cas de Tiny Toons, licence récupérée auprès de la Warner Bros. Tiny Toons Adventure sortira en 1991 et proposera un jeu de plateforme sur la NES. Ce sera une nouvelle licence qui sera déclinée en plusieurs suites sur la NES, sur la SNES et la Game Boy. Et au comble du miracle, devant le succès de la Mega Drive, Konami commence à faire des infidélités à Nintendo en proposant un portage de Tiny Toons Adventure sur la Mega Drive. Les querelles entre Konami et Sega s'estompent petit à petit. Un autre bon jeu qui sera un succès en arcade, puis dans les salons, c'est Sunset Riders, un beat'em all sur le thème des westerns et très bien réalisé, au gameplay accrocheur et au graphisme plutôt joli. Mais à part ça, de nombreux jeux sont portés sur Game Boy et Konami continue d'exploiter ses licences, Thunder Cross 2, Twin Bee 2 ou Gradius 3. 1992, Konami continue à acquérir deux licences importantes, d'abord Astérix, puis ensuite X-Men, un beat'em all basé sur le comics de Marvel. Konami sort également Lethal Enforcers, une simulation de shoot à utiliser avec un pistolet optique sur bande d'arcade, au graphisme assez réaliste et à l'action trépidante. Konami continue l'exploitation de ses licences avec Contra 3, Teenage Mutant Ninja Turtle 4, Tiny Toons, Buster Bust Loose et Track and Field. Konami propose des jeux aussi bien sur Super Nintendo que sur Mega Drive, mais aussi sur la PC Engine malgré la faiblesse de ses ventes. Un shooter se fera néanmoins remarquer cette année-là, c'est Axelay, qui sort sur Super Nintendo. De bons graphismes, un jeu original et une bande-son de qualité, Konami se veut un spécialiste des shoot'em up. Konami se lance aussi dans les jeux de football qui commencent à être de plus en plus convaincants avec Konami Hyper Soccer, et ce n'est que le début entre Konami et les jeux de football. En 1993, chose inhabituelle, la Mega Drive se voit dotée d'une exclusivité Konami, Rocket Knight Adventure, un jeu de plateforme action mettant en scène un chevalier opossum pouvant se propulser par un réacteur. La génération 16 bits offre la possibilité d'explorer de nouveaux gameplays, et Konami en profite avec cette réalisation impeccable pour ce personnage Sparkster qui deviendra une des nouvelles mascottes de Konami. Les relations avec Sega vont un petit peu mieux, et exceptionnellement, la Mega Drive se voit dotée d'un Castlevania qui se nommera Bloodlines. Sur arcade, Mystic Warriors fait son apparition avec des graphismes assez particuliers. La 3D fait aussi son apparition sur arcade et Konami est un petit peu à la traîne face à la concurrence telle que Sega avec sa carte Model 1 et ses jeux Virtua Fighter ou Virtua Racing. Konami va d'ailleurs connaître à cette époque une vague de rébellion parmi les développeurs qui se rebellent en fait contre un système Konami et qui les met peu en valeur face au succès de certains hits. Beaucoup démissionnent et décident de créer une nouvelle société de développement qui s'appelle Treasure,
qui sera à l'origine de nombreux titres de grande qualité dans l'avenir, tels que Gunstar Heroes, Radiant Silvergun sur Saturn ou même le célèbre Ikaruga sur Dreamcast. Néanmoins, Konami continue sa production accrue de titres sur arcade, même si c'est plus dur, mais surtout sur console, Contra, Sparkster, Lethal Enforcers 2, Tiny Toons Acme All-Star, et Konami acquiert une énième licence Animaniacs. Face à FIFA d'Electronic Arts ou Super Sidekicks sur Neo Geo, les jeux de football sont à la mode et Konami se lance sur le marché avec ISS, International Superstar Soccer sur Super Nintendo. La série verra 12 épisodes sur plusieurs supports avant de passer sous l'effigie PES, Pro Evolution Soccer, qui existe encore aujourd'hui face à son concurrent de toujours sur ce genre, Electronic Arts et son FIFA. Mais à cette époque, Konami commence à se tailler une mauvaise réputation, hein, l'utilisation à outrance des séquelles, des préquelles, des suites plus ou moins intéressantes de ses licences, l'achat de licences justement à la mode du moment, et son exploitation à outrance, son manque d'inspiration sur arcade. Nous sommes à une période charnière dans l'industrie vidéoludique, entre la 2D et la 3D, l'arrivée de la PlayStation puis de la Saturn, et Konami saura une nouvelle fois s'adapter à ces nouveaux supports prometteurs d'un bel avenir. Castlevania Vampire's Kiss, un jeu 2D qui ne s'en sort que grâce à des graphismes magnifiques, la Super Nintendo est exploitée au maximum. Toujours sur Super Nintendo, les aventures de Batman et Robin sortent en 1995, encore une nouvelle licence pour Konami. Ensuite, la Super Nintendo se verra détrônée par la PlayStation et la Saturn. Konami choisira son camp, ce sera principalement Sony, en proposant le premier RPG de la console PlayStation, Suidoken, qui se verra décliné par la suite en plusieurs épisodes, 5 opus au final sur la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Sur arcade, Konami sort en 1995 Dragon Might, un versus fighting toujours autant à la mode, ainsi que Road Rage, renommé Speed King aux États-Unis, un jeu de course futuriste ressemblant un petit peu à Wipeout. En 1996, Konami renoue avec le succès en arcade avec GTI Club, un jeu de course très bien réalisé, faisant largement face à son concurrent de toujours Sega, qui domine l'arcade 3D à cette époque. Autre jeu de course est Midnight Run, un jeu au graphisme impressionnant cherchant à concurrencer Daytona USA de Sega, mais n'obtient pas le succès escompté. D'autres jeux Konami sortent, comme par exemple des jeux de sport, NBA In The Zone, Bottom of the Nine, un jeu de baseball, The Final Round, un jeu de golf, ou encore NFL Full Contact, un jeu de football américain. Devant les mauvaises ventes de la Saturn, Konami se ressent principalement sur la PlayStation. Même quand la Nintendo 64 sort avec beaucoup de retard, Konami ne se jette pas trop sur la console pour porter ses jeux. Vandal Hearts sort en 1996, ce sera un tactical RPG qui fera référence au même titre que Final Fantasy Tactics à l'époque. En 1997, le jeu 3D est en vogue, mais Konami reste sur la 2D pour sortir sur PlayStation Castlevania Symphony of the Night, un excellent jeu très bien réalisé, sans doute un des meilleurs de la série. Une version sortira sur la Saturn mais uniquement au Japon l'année suivante, et il faudra attendre 2007 pour le retrouver sur le Xbox Live Arcade et le PlayStation Network. La Nintendo 64 verra la sortie du premier ISS en 3D, International Superstar Soccer. C'est cette même année-là que Konami va fonder le premier centre de formation pour le développement de jeux vidéo, la Konami Computer Entertainment School, et ouvre également une nouvelle division nommée Games and Music Division, qui se chargera d'une nouvelle catégorie de jeux vidéo, les jeux de rythme musicaux. Cette division sera renommée plus tard Beemani, et ses jeux d'abord en arcade remporteront rapidement du succès. Le premier à sortir sera Beatmania, dans lequel on joue le rôle d'un DJ devant manipuler une table de mixage. Une musique est jouée en fond sonore et les notes tombent du haut de l'écran. Chaque note correspond à une touche du contrôleur, et le joueur doit appuyer sur la bonne touche au bon moment. La série Beatmania s'arrêtera en 2002 après 13 jeux en arcade. Une version PlayStation 2 sortira également en 2006. Nous sommes donc aux prémices des jeux de rythme, qui seront par la suite des succès de vente pour Konami. C'est en 1998 que sortira en arcade Dance Dance Revolution, un autre jeu de rythme qui se joue cette fois avec les pieds, en suivant une chorégraphie qui s'affiche à l'écran. Encore un succès et le début d'une longue série de jeux, avec des portages sur console aussi. Alors depuis 2012, le jeu ne sort plus qu'en arcade et qu'au Japon. Dans tous les cas, Konami vient de créer un nouveau genre et va influencer de nombreux autres jeux de ce style. Mais la perle Konami de l'année 1998, c'est Metal Gear Solid, qui marque un tournant artistique dans la série. Fini la vue de dessus, place à la 3D et la vue à la troisième personne, beaucoup de joueurs découvrent réellement la série avec ce jeu, toujours créé par Hideo Kojima, toujours empruntant le genre espionnage et infiltration, toujours influencé par le cinéma, comme les films de John Carpenter avec Kurt Russell, New York 1997 ou Los Angeles 2013. Kojima commence à y intégrer des cinématiques vidéo utilisant le moteur 3D du jeu, alors qu'en général les cinématiques à cette époque étaient plutôt des cinématiques précalculées. Konami innove encore une fois avec un jeu de pêche en arcade, Fisherman's Bait, le joueur devant attraper une race particulière de poissons à l'écran. Et Konami a encore du flair en récupérant la licence Yu-Gi-Oh! Très à la mode cette année-là, des jeux de cartes et des jeux vidéo officiels seront donc développés. Konami a subi une nouvelle fois les critiques en sortant des épisodes annuels de ces jeux, sans vraiment apporter quelque chose au jeu, une année en demi-teinte donc pour Konami.
En 1999, Konami renouera avec le succès avec d'abord Vandal Hearts 2, puis alors que Capcom a sorti Resident Evil et que le survival horror commence à trouver son public, Konami répond en sortant Silent Hill, annoncé comme le jeu le plus terrifiant jamais réalisé, tout comme Metal Gear Solid, ce sera une exclue PlayStation. Silent Hill rencontrera un énorme succès grâce à sa très bonne réalisation, grâce à sa dimension cinématographique particulièrement angoissante, et donc son gameplay basé sur la fuite, la base des survival horror, qui influencera le genre dans les années à venir, au même titre que Resident Evil. Après avoir été repoussé, la Nintendo 64 accueille enfin son jeu Castlevania 64, le premier en 3D qui s'en tire plutôt bien face aux critiques, mais reste assez classique dans sa jouabilité pour un jeu de plateforme 3D comme ça se fait à l'époque. La Dreamcast est aussi de la partie en 1999, Air Force Delta et en arcade, Silent Scope sortira. L'année 2000 sera principalement consacrée à Sony. Konami adapte ses jeux de rythme et de danse qui font fureur en arcade, Beatmania, Dance Dance Revolution, Dancing Stage, Drummania ou encore Pop and Music. Le filon des simulations de danse est très juteux pour Konami. Les jeux de sport sont aussi très importants, NBA In The Zone 2000 ou NHL Blades of Steel 2000, ainsi que ISS Pro Evolution. Des add-ons sont ajoutés à Metal Gear Solid afin d'enrichir un peu plus le jeu, mais la fin de l'année est surtout marquée par la sortie de la PlayStation 2, où Sony orchestre une promotion hallucinante en faisant courir le bruit qu'il n'y aura pas de console pour tout le monde. Alors l'engouement est impressionnant et chacune de ses sorties dans chaque pays, les gens s'arrachent la console. Konami développera beaucoup de jeux sur cette console. Nous sommes en 2001, Konami cherche à concurrencer Electronic Arts dans les jeux de sport et s'associe avec ESPN, une grande chaîne de sport américaine, qui apposeront leur sigle sur les prochains jeux Konami. Alors tous les sports américains y passent, hein, la NBA, la NFL, le baseball, le hockey sur glace et les sports d'hiver. Silent Hill 2 sort sur PlayStation 2 puis sur Xbox. Konami tire impeccablement parti de la puissance des machines pour offrir de très bons graphismes détaillés et des effets de lumière et de brume très convaincants qui rendent cet épisode encore plus angoissant. Alors même si ISS Pro Evolution 2 sort sur PlayStation, la série est aussi développée sous un autre nom à partir de 2001. Le jeu de football de Konami devient Pro Evolution Soccer, qui sera considéré au fil des années comme une des meilleures simulations de football, toujours en concurrence avec FIFA Football d'Electronic Arts. Cette concurrence existe encore aujourd'hui d'ailleurs, et chaque fan de ce genre de jeu a choisi son camp. 2002 approche, Konami entre à la bourse de New York et Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty sort sur PlayStation 2. Alors même si le gameplay n'évolue pas forcément beaucoup avec ce nouvel opus, il est graphiquement incomparable avec ce qui se faisait avant. C'est une excellente réalisation et mise en scène, digne des meilleurs films hollywoodiens, ce qui sera dorénavant la marque de fabrique de Kojima et de son Metal Gear Solid. Alors cette année-là, Konami ira même jusqu'à ressortir des placards Frogger, l'ancien hit des années 80, pour une sortie sur Xbox et GameCube. Sur Game Boy Advance, Konami commence à sortir un Castlevania annuellement. En 2002, ce sera Harmony of Dissonance. Et en 2003, Aria of Sorrow. Alors en 2003, pour sa 30e année, dans le secteur des jeux vidéo, Konami change une nouvelle fois son logo et s'associe cette fois avec Disney pour exploiter de nouveaux jeux de sport avec les personnages Disney. Alors comme avec ESPN, beaucoup de sports y passeront, principalement sur les consoles de Nintendo. On aura droit au basket, au football américain ou au skateboard. Et des titres seront annualisés encore une fois. Alors comme déjà dit, les jeux coûtent de plus en plus cher et la prise de risque doit être moindre pour rentabiliser au mieux ses licences. Konami lance quand même une nouvelle licence, Zone of the Enders, ainsi qu'un petit jeu en 2D, Ninja 5-0, de type Shinobi sur Game Boy Advance. Les séries annuelles continuent, Yu-Gi-Oh!, Pro Evolution Soccer, Dance Dance Revolution, et Konami se lance même dans les jeux sur téléphone portable en adaptant deux jeux Goemon. Konami sort également en mai 2003, d'abord en Europe Silent Hill 3, toujours aussi angoissant et dérangeant, mais reste assez similaire que le précédent opus. La PlayStation 2 aura aussi droit à un nouvel épisode de Castlevania, Lament of Innocence, qui n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait sur la Nintendo 64, évidemment. 2004 sera encore une fois une année riche pour Konami, qui ne perdra pas de temps et sortira quelques mois après le numéro 3, un Silent Hill 4. Gradius 5 sort aussi sur la PlayStation 2, alors il est développé par Treasure et seulement édité par Konami, et sera considéré comme un des meilleurs de la série, en alliant qualité de réalisation et inventivité, malgré une difficulté assez importante qui demande beaucoup de maîtrise, à l'image des autres shoot'em up de Treasure. 3 Metal Gear Solid sortent aussi cette année, alors une sur la PlayStation 2, dont son point fort reste encore une fois la mise en scène et son ambiance, un autre sur la PlayStation portable qui se joue plutôt façon tactical RPG, et enfin une version GameCube, The Twin Snakes, un épisode enfin sur une console Nintendo, beaucoup de joueurs l'attendaient. Alors petit aparté, cette année-là, Konami va jouer un peu au petit coquinou en sortant Rumble Roses, un jeu de catch qui a la particularité de proposer uniquement des personnages féminins. Le jeu sera développé en partenariat avec Yuke, en utilisant justement le moteur de jeu que Yuke avait utilisé en 2003 dans Exciting Pro Wrestling 5.
Alors le point fort reste évidemment les 22 catcheuses mises en scène dans des positions plus que subjectives, avec une caméra toujours bien placée pour voir culottes et écartements de cuisses pour révéler le côté voyeur qui sommeille en chaque mâle. Le jeu présente malheureusement trop de lacunes techniques et ne mise malheureusement que sur les gros seins et les formes aguichantes des protagonistes. En 2006, Yuk et Konami réitéreront avec Rumble Roses XX, qui récoltera comme son précédent des notes à la limite de la moyenne par la presse spécialisée et sera surtout plus populaire au Japon qu'en Occident. Ce Rumble Roses XX propose quand même un mode online, mais les limitations du gameplay et le nombre de coups ne rivaliseront pas avec les autres jeux de catch. Ce sera le premier jeu Konami sur la Next Gen, la Xbox 360 en l'occurrence, réalisé en grande partie avec le motion capture et en HD. Les animations dessin est ce qui est le mieux réussi dans ces jeux, avec toujours autant de positions aguichantes de la part des catcheuses, mais cette fois en HD. Bref, je ferme la petite page racolage pour passer à la suite des jeux Konami. Ouais bah en fait, il n'y a que Pro Evolution Soccer et les jeux de danse qui continuent leur série annuelle. En 2005, Konami fusionne ses filiales, intègre la société Hudson Soft, à l'origine des jeux Bomberman par exemple, et une nouvelle division est créée, la Kojima Production, dirigée bien évidemment par Hideo Kojima, qui se consacrera exclusivement à la série Metal Gear Solid dans les années à venir. Castlevania Curse of Darkness sort sur PS2 et Xbox. Sur Nintendo DS, Konami sort aussi un épisode de Castlevania, Dawn and Sorrow, en retournant à la 2D, en mélangeant plateforme et RPG pour cet épisode assez réussi. Konami sort aussi sur DS Lost in Blue, un petit jeu d'aventure sympathique mais à la réalisation trop limitée. Depuis quelques années aussi, Konami réexploite la licence des Tortues Ninja, avec cette année-là deux opus, Mutant Nightmare et Mutant Mayhem. D'autres jeux, comme Mano Breaker ou Crime Life Gang Wars, rien d'exceptionnel. En 2006, Konami continue sa restructuration interne afin d'unifier ses différentes divisions et continue à exploiter ses licences et ses séries phares. La Wii de Nintendo vient de sortir et Konami propose Hellbites, qui exploitera parfaitement la Wiimote et la nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo institués par Nintendo avec la Wii. Kojima Productions fait preuve d'originalité cette année-là en proposant sur la PSP un Metal Gear Solid Digital Graphic Novel, une version surprenante pour cette série avec des graphismes étonnants. Konami diversifie aussi son activité, mais on y reviendra en fin de vidéo, pour sortir au cinéma Silent Hill, un film réalisé par Christopher Gantz, qui sera une grande réussite. En 2007, Konami continue de faire vivre les trois licences qui lui rapportent le plus, Castlevania avec un épisode sur DS et un autre sur PSP et PS3, The Dracula X Chronicles. L'autre série c'est Metal Gear Solid, un épisode sur PSP, et un autre, le numéro 4, Guns of the Patriot sur PS3. Et enfin, PES 2008, le jeu de football qui fait encore cette année-là d'excellentes ventes. Alors ces trois licences représentent en fait une grosse part du chiffre d'affaires de Konami. Ah oui, j'avais oublié aussi les jeux de danse et de rythme, avec Beatmania numéro 16 et Pop and Music numéro 16 en 2008, Guitar Freaks, Jubeat également avec ses sorties annuelles. En 2009, Konami obtient la licence du film Saw pour en faire un jeu et remet également au goût du jour Gradius Rebirth et Contra Rebirth sur la Wii en 2009. Ils ressortent aussi des placards Rocket Knight sur PC, Xbox 360 et PS3 en 2010. Par ailleurs, de nombreux anciens jeux de Konami sont proposés sur la console virtuelle de la Wii, le Xbox Live et le PlayStation Network, Salamander, Parodius, Gambar Gaimon, les vieux Castlevania, etc. Hein, on sait jamais s'il y a quelques dollars à récupérer avec les anciens jeux. En 2010 sort Castlevania Lord of Shadow, puis le deuxième opus en 2014, Lord of Shadow 2. En 2011 sort Hard Corps Uprising, faisant partie de la série Contra, un jeu d'action de type run and gun assez classique, seulement édité par Konami et uniquement sur les Xbox Live et le PlayStation Store. D'ailleurs, dans ces années-là, Konami va éditer pas mal de jeux, et moins en développer, ou en tout cas seulement développer ses licences phares. En 2014 est sorti le cinquième opus de Metal Gear Solid, Ground Zeroes, et l'épisode Phantom Pain devrait sans doute sortir cette année, en 2015, mais pas plus d'infos pour le moment. Avant de finir cette vidéo, il faut savoir aussi que Konami n'est pas seulement un développeur de jeux vidéo depuis 40 ans, mais a largement diversifié ses activités au fil du temps. Le gaming, ou plutôt le divertissement, ne représente que 60% de son chiffre d'affaires. Konami Sports & Life gère un club de fitness et commercialise des machines d'exercice sportif. Konami conçoit, fabrique et vend des machines à sous et des systèmes de gestion pour les casinos. Comme pour Yu-Gi-Oh!, Konami s'est diversifié dans les jeux de cartes, les cartes à collectionner, mais aussi les jouets électroniques, des livres, des guides de jeux. Il y a aussi une grosse activité dans la fabrication de figurines. Et enfin, Konami produit aussi de nombreux animes. Alors j'ai noté Sky Girls, Saint October, Tengen Toppa Gurren Lagann, ou encore Sengoku Collection, mais il en existe plein d'autres. Autant dire que Konami est actuellement une des plus grosses entreprises au Japon, dans différents domaines, avec un chiffre d'affaires qui dépasse chaque année environ 1,5 milliard d'euros, se classant 17e des plus grosses entreprises commercialisant des jeux vidéo en 2014.
Alors pour résumer Konami, une histoire qui a débuté il y a plus de 40 ans, Konami a su se forger au fil du temps une réputation de grande créativité, innovant sans cesse dans l'industrie vidéoludique, en proposant souvent des gameplays originaux, en s'adaptant parfaitement à chaque nouveau support de jeu. Alors la page Wikipédia énumérant la liste des jeux Konami est hallucinante, entre les jeux et surtout les portages sur tous les supports pour la majeure partie de ces jeux, alors j'ai pas compté hein, mais on doit pas être loin des 1000 jeux. Car en effet, c'était une des grandes forces commerciales de Konami, c'est d'avoir toujours proposé une version d'un jeu sur une multitude de supports, en tout cas les plus populaires à chacune de ses générations. Alors certes, on peut reprocher à Konami de s'être quelque peu endormi sur ses lauriers, sur ses licences phares, et de les avoir déclinées à toutes les sauces, avec certains épisodes pas toujours à la hauteur, et n'innovant que très peu, mais c'est aussi cette politique qui fait que Konami existe encore aujourd'hui, en répondant au maximum aux besoins des joueurs, c'est-à-dire des durées de vie plus longues et des jeux plus profonds, et en s'adaptant à chaque évolution technique de chaque console ou de support de jeu. Dans les années 80, Konami sortait des dizaines et des dizaines de jeux tous les ans. Alors évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, devant les coûts que peut engendrer la production d'un jeu, mais les jeux qu'ils proposent actuellement, que ce soit les Castlevania ou les Metal Gear Solid, sont toujours de très bonne qualité. Konami a forcément, au cours de son histoire, marqué une multitude de joueurs qui ne peuvent oublier ses hits sur console, mais aussi en arcade. Konami est une très grande entreprise de jeux vidéo, et elle méritait bien une petite chronique de ma part. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible, sans doute un peu trop, hein, c'est pour cela que la vidéo a été découpée en deux parties, j'avais jamais passé autant de temps à écrire un texte. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, merci d'avoir suivi celle-ci, je vous dis à bientôt, ciao !